Jalopy. Oh. Oh, il y a du français, mais ça Oh, fait du plaisir. français. Bon, la musique est atroce, mais au-delà de ça. Mais moi, tous les trucs les plus beaux. Highest quality mirrors. Yes, on y Vous dites va. que c'est le pire jeu, mais c'est parce que vous avez pas vu l'Incateracy d'y jouer. Exactement. Bon, on s'excusera si au bout de 5 minutes c'est de la merde. Nouvelle partie. Début. Fantaille a joué. Bah alors. Et est-ce qu'il a fait une météo du Bitcoin en faisant un petit trajet? Lève-toi. Debout. Réveillé enfin. Debout. Quand la jument est sortie, il n'est plus temps de fermer les tables. Ok. Quoi? J'ai quelque chose Mon Dieu, d'important votre à te veste, montrer. monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette veste qui fait bugger mon écran? Par là, c'est dehors. Hop. Ah, je ne comprends pas cette langue. C'est un jeu allemand? C'est un jeu communiste? Ok. C'est un jeu allemand et communiste? Je crois pas que ce soit allemand. Voici une Leica 601 Deluxe. Elle est grave stylée, mais il n'y a pas de roue, mec, en fait. Ok. Une merveille d'ingénierie de la RDA. Bah, la RDA, c'est des Allemands. Bah ouais. Ouais, tu sais pas ce que c'est la RDA. Non. Si, j'ai un lointain souvenir de mes cours d'histoire. 0 à 60 km/h en 22,5 secondes. Oh putain. Oh putain. Ça... Eh bah, c'est pour ça que les trajets vont être longs. Une vitesse de pointe de 100 km/h et une consommation économique de 9 km Mais par le mec te litre. vend ça vraiment comme si c'était un truc de ouf. Bien sûr, quand elle arrive à rouler. Oh là là là. T'inquiète pas, j'ai tout préparé. Il suffit de lui installer un moteur, lui mettre des roues, lui trouver une portière pour le côté passager et la nettoyer. Ce sera tout? Commence, on trouve une portière, il y en a une sur le tas de carcasses derrière toi. Si tu te concentres, tu devrais pouvoir la voir. Vas-y, force, je pense qu'elle est rose. Je me concentre très fort. Je crois que c'est ça. Heureusement pour toi, elle fait 1 kg. Elle a l'air très légère. Et paf! Et en plus, elle s'installe facilement. Ouais, pourtant joli, mais bon. Mais maintenant, Installe attendons le le moteur. moteur. C'est tout, on va partir côté Le conducteur, tu moteur. vas le quai noir. Pour déverrouiller le Je suis dans capot. les capots. Hop, alors je déverrouille le capot. Hop. Maintenant, ouvre le capot. Comme tu peux le voir, il y a besoin d'un moteur. Ah bah oui, effectivement, il n'y a pas de moteur. Il était détaché dans le garage, j'avais attaqué en premier, je t'ai dans le moment. Ouah, c'est une porte automatique. Moteur d'origine, filtre à air, réservoir de carburant, carburateur, batterie. Oh, mais je ne saurais pas construire tout ça. Les pièces détachées sont... Oui, je sais. Bon, regarde, pour monter un moteur, c'est pas compliqué. Les performances de base de ta Leica. Compris la vitesse maximale et l'accélération. On va la tuner la bagnole. km max? Ah non, 120 km, ok. 54 kg, yes. Alors, ensuite. Ah, il doit nous manquer Oh des bah pièces. il manque tout hein. La bobine d'allumage, le filtre à air, le carburateur, le réservoir de carburant, le réservoir de batterie. Oh putain. Oh, Batterie. ça c'est la batterie hein, il me semble hein. Ça. Je crois que ça se met là, là. Ici. Si ta Leica ne démarre pas, la première chose à regarder est sa batterie. Ça, je le savais. C'est ouf, hein. Ouais, même que tu demandes à quelqu'un qui se gare au bord de la route et puis vous faites un transfert de flux de batterie. Ouais, tu mets tes fils là, Ouais, les fils là. tes pinces, Les pinces. le Mais t'as des réservoir d'eau. pinces? Faut toujours avoir des Ça, le pinces. réservoir d'eau, quand il n'y a plus d'eau, il faut remettre de l'eau. Le filtre à air, quand il n'y a plus d'air, il faut remettre un filtre. J'ai une voiture. Ouais, c'est les pinces croco, ouais, les pinces croco. Voilà, les pinces crocodiles là, yes, on connaît. Filtre à air, ça c'est important. Ça permet de filtrer l'air. Sinon l'air il est dégueulasse. Optionnel mais Et le utile. moteur, il aime pas ça. Oh, pas tellement optionnel, tu sais. Réduire le taux d'usure de ton bloc moteur. Ah ouais, c'est vrai. Eh oui. Hop. Et maintenant, il faudrait la jauge à huile. De la jauge à huile. Réservoir de Ah carburant. ouais, parce que sinon, on peut vite tomber en rade.
Alors c'est là le réservoir de carburant. Ah, je pensais que c'était sur le côté de Moi la je pensais que voiture. c'était là où on met le gros tuyau Ouais, des moi aussi, stations. la pompe là où après le monsieur tu prends des chips aussi avec. Un moteur de temps. Cela Wow. signifie que tu dois incorporer de l'huile dans le carburant. Oh là là. Quoi? Putain, faut mettre de l'huile avec Bah l'essence. oui, c'est faut vérifier l'huile avec la jauge à huile. Conserve ton réservoir de carburant en bon état. Ok. Putain, je sens qu'on va avoir des pannes. C'est bon. Surtout qu'on va devoir trouver la source du problème à chaque fois. Et s'arrêter à des garages et dire, alors je sais pas trop ce qui fonctionne pas, mais carburateur. D'origine. Il contrôle la consommation de carburant de la voiture. Ok. Consommer moins de carburant. Rouler plus longtemps pour moins cher. Vas-y, place cette pièce dans le moteur. Il nous faut de l'huile aussi. Il y avait de l'huile? Ouais. Bobine Bah, la d'allumage. bobine Ah, on d'allumage, c'est oublierait déjà pas presque mal. la bobine, hein. Là. Ah, ça fait l'espèce de petit court-circuit qui. Oui, ça fait bip l'étincelle là. C'est ça dont on se passe quand on vole une voiture et qu'on utilise les fils. Se passe de la bobine d'allumage. C'est dommage, c'est sympa d'ouvrir avec une bobine d'allumage comme ça. On lui donne à boire. On ne va nulle part sans carburant. Un bidon de carburant, une bouteille d'eau et un bidon d'huile de temps. Ah oui. Comment faire les niveaux de ta voiture? Ah putain, mais bordel, on est tombé dans les années 50. Bidon de Ah, moi aussi. carburant. Oh, ça, je sais, hein, je suis pas un jambon, hein. Hop. Bon, une pincée, pas Maintiens-le plus. comme ça pour faire le plein plus rapidement. Glou, glou, Bon, glou, tu mets tout, glou, hein, glou, on va aller glou, loin. Hein. glou, glou. Et lâche ça, tu n'en as plus besoin. Ça Ouais, mais marche. si on veut le remplir après. Eh, c'est con, c'est gâché. Bah, tu le mets ça dans le coffre. Eh, allez hop, allez, à Hop, un l'huile. peu d'huile là. Et puis. Voilà. C'est un bidon d'huile de temps. Ok. Qui en contient peu permet d'aller plus vite mais augmente l'usure du moteur. Ah putain, c'est un dilemme. Ça va moins vite mais ça baissera l'usure du moteur. Nous on veut tracer là. Bon, mais plein d'huile. Et lâche ça, tu n'en as plus besoin. Non 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 Bah non non, non. non, le coffre Non là. non non. Oh, comment on ouvre le coffre sur ces modèles? Attends, clique pour faire passer le dialogue là. Parce que tu peux rien faire tant que t'as pas passé le dialogue. Vas-y là, ouvre Hop le coffre. là! Mets-moi ça dedans là, bah voilà. Et Voilà! pareil pour le bidon là, alors, on n'est Et pas des cons on hein. gâche rien, c'est tout! Et ce sera pareil pour la bouteille d'eau. 1, 2. Bah, quoi? Pourquoi c'est fermé ça? 1990? Ok. Et hop! Un peu plus. Je le Lâche, lâche mais on lâche pas si je veux. ça. Hop là, on a tout ce qu'il faut à droite. On ferme et on est parti. C'est parti, Simone. Allons chercher des pneus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il manque des pneus. Il y a un cric dans le garage. Ah, c'est ça que tu cachais. Ah, T'as le déjà utilisé un clic. cric? Jamais de la vie en même temps, là, que j'ai pas de voiture. Ouais, c'est vrai, mais t'as jamais regardé papa le faire? Non, mais par contre, j'ai fait un stage dans un garage, mais j'ai pas utilisé le cric. Les voitures étaient directement sur des pistons qui levaient la voiture. Ah, bah tu vois, ça c'est aussi simple que ça. Hop là, et là ce que j'ai dans les mains, c'est une clé octogonale. Pas du tout. C'est son nom. À mon avis, chaque pneu a bien sa disponibilité. Tu dois aller chercher un pneu de route. Ah, my bad. Alors que là, mec, t'avais pas un pneu de route, t'avais. De route. Bon, un pneu de route, ça, c'est un. Maintiens le pneu de route sur l'essieu et serre le Allez, boulon tourne-moi. du démonte pneu. Mais attends, j'ai lâché mon outil. Mais oui, tu l'as lâché là où t'as jeté le pneu. Ah. Oh non. T'as pas un outil dans ton inventaire? Objet 1, objet 2. 1, 2. Sur le cric? Ah oui.
Oh, bien vu ça. J'ai eu peur. Ah ça par contre tu vois au garage où j'étais ça je l'ai fait plein de fois. Ah, resserrer les cieux. Ouais, c'était Ah ouais. vraiment sympa. Maintenant tu vas remettre le cric de l'autre côté hein, là. Ah. Non ça tu vois bien que c'est un pneu arrière. Ah, c'est un Ah. droitier. C'est un droitier, faut échanger. Hop. Ah je crois ouais, mais tu crois que tu dois desserrer le cric de l'autre côté là. Ah ouais, merde. Bah ouais, tu lèves d'un côté. Aïe, le recolle. Pratique ce système d'aimant. Ça, c'est bien une arme russe allemande, ça. Hop, je l'ai. Hop. Ah mais c'est qu'il devient un vrai petit mécanicien, Bah, celui-là. c'est pas compliqué les bagnoles au fond, hein. Regarde, t'échanges de main. Pas trop le garagiste qui dessine une gonzesse. Bah, madame, c'est pas compliqué les bagnoles. Par contre, je viens de démonter un pneu là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et puis, on va bientôt être prêt pour le départ. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. Et moi je te dis, les bagnoles c'est pas simple, alors ça doit Il être veut plus pas se simple. pousser là, Eh t'es. Gestapo On bosse ici. là? Regardons si elle roule. Mais bien sûr que. Et là, regarde. Range-moi la boîte à outils, le Je cric. serai dans la voiture. Tu peux mettre des pièces détachées dans le coffre. Mais oui. Attends, mais j'ai pas envie qu'il soit dans la Mais voiture. dégage, hein! Ah, toujours dans mes pattes. J'ai récupéré la clé. Oui, Vérifie elle est à à l'intérieur du côté. garage avant de partir là, que t'oublies rien. Bon, on a tout! Vous oubliez rien, hein! Le bloc-notes là, qui est dans la, voilà, ça là. Eh, je fais pas demi-tour, hein. Liste des stocks. Acheter stockage. Oh là, attends, j'ai combien d'argent, moi? Bon, il y a pas assez là. Non, non, T'as non, non, 100 non. balles. C'est Allez, une de l'autre côté du boutique. garage, il y a quoi là? Super. Même pas une Bible. Quel pays de con. Ah, Eh par contre, tu bah. m'éteins les lumières avant de partir. Je crois qu'on peut y Parce aller, que, hein. comme dirait mon père, je travaille pas chez EDF. On n'est pas à Versailles ici. Ah, chacun les siennes, hein. Et vous aussi, dans le chat, dites l'expression de Ah. votre père qui voulait qu'on éteigne les lumières. J'ai fait un gros insecte derrière dans mon dos. Ok. On y va. Ça ne serait pas arrivé si tu avais un truc de calfeutrage pour ta fenêtre. Je présentais des compagnons importants. Le carnet de maintenance couvre les bases du fonctionnement de la voiture. Des informations génériques à propos de la Leica. Oui, bah putain, on n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'elle a été créée. Oh la vache. T'as vu le garagiste qui te dit, alors quelques infos sur votre voiture, son histoire, sa provenance. Oh Là, mais putain ça. de Alors merde! voici un livre en 9 chapitres. Pour l'instant, range ça. Pas de problème. On va le mettre dans la boîte à gants. Et déjà, hop, Veux pas me laisser le puis capot j'ai parce que là tu vas chaud. avoir du mal à conduire, non? Oh merde! Oh merde! Mais je ne vois rien! Hop! Ouais, toi tu me démarres la Leica là. La carte. Elle te permet de choisir quelle route nous prendrons entre chaque destination. D'accord. Alors, une est tout droite, Notre hein. première destination est la frontière de la République fédérale tchèque et slovaque, près de Dresde. J'ai marqué toutes les routes possibles que je connais avec la météo et tous les arrêts possibles le long du chemin. Sélectionne une route maintenant. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a un truc pour s'arrêter. Par contre, enfin, je sais pas ce que c'est. Par contre, Mais il y mec, aura pas beau temps. on a 70 km de plus si on prend la route 3. Hein. Et La route celle-là, 2, c'est la pareil. plus courte, la plus Et on a beau droite, temps. et on a beau temps. Bah alors, route 1. Allez, on a beau temps. Nous devons nous y tenir, y a pas de problème. Ok. Ouais, on va ranger ça, oui. Hop, ici, hein, on retient. Et ça ici. Les clés. Parfait. T'es prêt à faire vrombir le moteur? Et attention, c'est impressionnant, Écoutez-moi, hein. le moteur de cette voiture du futur des années 60. Oh putain! Je suis dégoûté! C'était pas une tondeuse à gazon, et non. Je suis dégoûté!
Oh, elle marche! Oh, le bruit qu'elle fait, non mais c'est pas possible. Le voyage commence! Direction Dresde! Bah, pas de problème, on y va. On commencera par l'autoroute. Oh, ça, attends, on dirait une moto! Hein. Ouais, alors même une moto, ça avait pas de bruit là. On dirait mon vélo quand je mettais une pince à linge à l'arrière pour être stylé. T'es né dans les années 30? Ouais. Je suis né dans un bidonville en Seine-et-Marne. Oh là, non mais c'est quoi cette voiture là? Ah, oh, ça va, elle paye pas de mine mais elle est sympa, on est déjà à 70 km/h. Mais les kilomètres défilent hein, t'as 25 km/h. C'est quoi ces boutons là? Attends, je vais mettre la clim. C'est le warning. Hop, ça. Les warnings. Mets la clim. J'arrive pas, ça m'ouvre le moteur. J'ai ouvert le moteur. Stop, le capot est décroché. Bon, on va pas s'arrêter sur l'autoroute. Y'a pas de bande d'arrêt d'urgence sur ces routes, connard. Attends, y'a une bande d'arrêt d'urgence là-bas. Hop là. On va s'arrêter 2 secondes. Oh putain. Oh là, oh là, oh là, le frein à main, le frein à main. Il est inutilisable. C'est pas normal. Je veux sortir. Tu avances là, tu avances. Tu peux pas... Freine. Ça recule. Coupe le contact. J'aimerais bien. Je peux pas mettre le frein à main. Excusez-moi monsieur. Qu'est-ce que... Putain, j'ai mis mes warnings et tout. Ah. C'est ah, bon voilà. Là. Voilà. Éteins le moteur une fois que t'as mis le frein à main. Non, non, ah, on va juste fermer le capot. Oh, y'a quelqu'un qui arrive. Oui, 2 secondes. T'es sur l'autoroute en plus là. Voilà, on s'insère. Pitié. Quoi, pitié? Ah, oui, il veut que j'éteigne ça. Oui, bah ça va. Le mec, il roule avec ses warnings. Pay freight. Uni no schmal. Non, t'en as le même, mec, le rond-point, c'est à gauche. C'est pas vrai. Tu me pranques. Putain, comment elle galère. Je suis à 30, j'arrive pas à monter. Attends, c'est un bolide en deux temps. Va falloir qu'on l'améliore, oh, cette voiture. C'est une autoroute, une voie, c'est exceptionnel. Et hop là, 2 voies, le futur. Le futur. Le frein à main. Bah non, il est baissé le frein à main. Sinon t'aurais du mal à avancer. Oui, sinon on n'avancerait pas même à 30. Hein. Eh, vous avez pas le permis, vous, ça se voit. Hein. Les gars, on a 70 km/h, on peut pas rouler à 70 avec le frein à main. Cet engin peut aller à près de 75 km/h. Il n'y a pas beaucoup de conversation, monsieur. Oh, bah ah si, vois. Ça y est. Oh, toutes ces années en RDA. Ouais. Tu veux pas mettre l'autoradio là? Ouais, c'est gênant, je vais mettre l'autoradio. Voilà. Quoi de mieux pour briser un silence gênant? ça veut un peu me dire ta gueule, tu vois. Tiens, je vais même mettre plus fort. Voilà. Dans oh la montée Dieu. Qui est un peu gênante. T'as fond là? Tiens, je vais t'ouvrir un peu la fenêtre. Oh, des camarades. Mais attends, mais quand tu dis que t'es à fond là, c'est pas possible. Vérifie que t'as pas le frein à main quand même. Ah bah là je l'ai. Ouais. Allez, il avait dit 0 à 100 en 22 secondes. Allez, c'est parti. Ah, t'as peut-être pas passé la vitesse. Allez, en vacances, c'est parti. Ah, je sais pas comment on fait. À côté du frein à main, y'a pas un truc de vitesse? Bah, il serait loin. Non, ça c'est pour le siège. C'est quoi ça? C'est pour les mégots? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, mais si, c'est le truc que tu mets dedans et après. C'est l'allume-cigare là? Après, il est tout chaud. Vas-y, prends l'allume-cigare. Je sais que je ne suis pas né ici, mais je suis attaché à ce pays comme jamais. Faire partie d'un peuple, comme les membres d'une famille qui travaillent ensemble et veillent les uns sur les autres. Ça marche. Eh, on va vite là. Oh putain, c'est incontrôlable. On voulait le cigare, nous.
T'es quoi? Attends, je conduis et toi prends le cigare. On peut pas s'allumer une clope là? Vas-y, je conduis, je conduis. Allez. Ah, je peux pas le prendre. Eh, c'est quoi ça? C'est pour mettre les warnings. Ah, c'est... Oh, essuie-glace. Oh, pardon. Attends, pourquoi... Excusez-moi, j'ai appuyé sur le frein à main. Tenez-moi les phares là. C'est très proche. Non, ça c'est des essuie-glaces. Les phares à gauche. Attends. Ah. Il y en a en plein jour. Attends, et d'ailleurs. Klaxonne, klaxonne, klaxonne. Le mec pour klaxonner, il regarde bien le klaxon. Attends, c'est quoi ça? La lumière. Cours d'histoire avec l'oncle Lucheti. Ah, faut lui répondre là? Ah, d'accord. Tu sais, on lui répond jamais. Du coup, c'est lui qui est hyper gêné en fait. Je vais lire ce bouquin. Alors, oui, mais si je dois conduire en même temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais putain, c'est trop chiant, il est trop facile à trigger ce frein là. Bah, vole-lui son fric. Mon portefeuille. J'aimerais bien poser ces choses là, mais. Merde, je peux plus les poser. Attends, je vais lui faire un prank. Prankhead. Alors, qu'est-ce que ça fait, vieux con? Ah merde, je peux plus l'attendre, c'est bon. Mais on conduit sans les mains, c'est vrai. Mais genre, je peux plus les poser, ça me saoule. Ah, pardon. Mais repose ça. Mais je veux. Mais je ne peux pas. Si je fais A, j'ai peur que ça parte n'importe où. Je veux les poser. La voiture, elle fume, mec. Hein. Ah, j'avoue. Dresde est juste devant. Nice. Allons directement au motel. On traversera la frontière demain matin. Allons directement au motel, perdons pas de temps là. Je vais pas passer par quatre chemins. Oh. Oh. Tu me dis ce que tu préfères, hein. Oh, c'est hyper chiant de devoir conduire avec toi qui regarde partout. Oh. T'as ton cru, elle t'en pilote automatique là. C'est où le motel là, putain, t'as tourné super tardivement. Hein. Tu sais que c'est quand le frein est horrible. Ah, ok. Fumée blanche égale joint de culasse. Ah, ouais, c'est fort possible ça. Motel, motel, motel. C'est le motel ça? Non. C'est pas 1h la nuit pourtant? Tiens, Leica, un garage. Voilà le motel, garde-toi devant. Bah, ah, bah c'était ça. Là, là je pense. Ah, c'est là? Ouais, je pense. Tu nous gardes bien, hein, s'il te plaît. Ouais, ça... il fait des moves un peu créneaux là. C'est garé. Le mec, il fait ses ajustements là. Allez, il est temps d'appuyer sur. Ah, d'abord le frein. Mais prends la clé, bâtard! Tu veux prendre la clé, là? Mais tourne-moi ça! Attends. Non, parce que là, on va dépenser... moult... Bah oui. Puis j'aimerais poser ça, bon sang! Ah, tes mains sont prises! Okay. Ah, c'est bon, ok. Fallait juste faire A et ça les remettait, mais j'avais peur de les perdre. Bah, j'aimerais quand même les récupérer pour pas qu'on me les vole en fait. Bon, d'accord. On va les laisser dans, là. Dans un pays qui est tranquille là. Faudra juste passer au garage pour réparer ça. Oh, j'ai quand même envie de regarder, il y a l'air d'avoir un petit souci. Hein. On regarde? Bon, on regarde voir si. Si ça pêche. Ouf. Oh là ouais, faudrait mettre un coup de clamolette là-dedans là.
Oh là, oh là, y'a pas un truc Mais pété, fais y a plus tout qui a confiance. pété. Putain, c'est quelle voiture de merde. Bon, on verra ça demain. Oh, par la fenêtre. Oh bah. On n'oublie pas. Hop, ah, et toi? On Attends. peut laisser sa voiture ouverte, mais pas la fenêtre. Question de décence. Bon bah, en fait, tu fais tout pour retarder le moment où tu dois aller au motel avec lui. Grave. Ça va être gênant. C'est 20 la chambre. Elle fait la gueule. Ton portefeuille est dans la boîte à gants de la voiture. Oh bordel, et en plus c'est moi qui paye. Tu payes pour te faire éclater la rondelle. Putain de merde. Et va me chercher ton fric chéri aussi là. Fais chier. Ah bah vous me faites la monnaie sur 100 balles, hein. Rien à foutre. Vous êtes dans la chambre 1A, au fond du couloir. Ça marche. Bien veiller à la tranquillité des autres visiteurs pendant votre séjour. Trop gênant qu'on te dise ça. Allez, tu peux me laisser rentrer. Et de quoi il parle ce vieux porc? Je vous prends un gobelet. Putain, mais tu le tiens avec quoi la clé avec ta bouche? Oh, j'avoue, je tiens trois trucs en même temps. C'est compliqué. Voilà, je te laisse là. Oh, ah bah t'es rentré. Oh ma merde. Ah Gérard, ça... Ah merde, il y a deux lits en plus. Ah, ça meurt. Ok. Bon bah. Ah, tu dors déjà. Ok. Lis les trucs confidentiels de son dossier. Oh, c'est un traître. C'est un agent triple. Werther Genos Lufti. En réponse à votre demande d'acquisition d'un véhicule motorisé Laika 601 à destination d'un transport de biens personnels à renvoyer vers leur pays d'origine à la date du 12 février 1986, nous pouvons dorénavant vous informer que nous ne sommes pas en mesure d'approuver ou de soutenir cette demande au motif qu'il est formellement interdit de transporter des biens privés dans des véhicules gouvernementaux, en particulier vers des pays en dehors du contrôle de l'Union. En outre, nous sommes dans l'obligation de vous rappeler que toute communication avec les pays extérieurs à l'Union font l'objet d'une surveillance rigoureuse et que nous demandons à tous nos camarades de faire preuve d'une vigilance constante en ce qui concerne les informations sensibles qu'ils pourraient avoir à leur possession. Mitsosachi Grub. Ok. Ça se prononce vraiment comme ça. J'ai give up. Il l'a volé la Leica ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, Pas comme dans les hôtels, rien. beaucoup de rangements. Il y a du PQ. Il y a de l'urine au fond des Et toilettes, quelqu'un très a bien. déjà pissé, ça fait plaisir. On va tirer la chasse, hein. Ça marche pas, super, je mettrai une Putain, mais salvote. rien ne marche dans cet hôtel de merde. Ah, ça marche déjà. Y a pas un sèche-cheveux. Bon, bah, on va dormir, hein, avec notre gobelet. Tu dors en le regardant en plus. Bonne nuit. Drodé. Dread. J'ai cru qu'il était quelque... En fait, je le trouvais pas, j'ai cru qu'il était dans mon lit. Salut, t'as bien dormi? Ou alors qu'il était aux chiottes. On devrait aller vers la frontière. Ouais, mais t'es où? Il t'a parlé de l'extérieur là? Il est peut-être garé devant? Ouais, Il est c'est là, déjà il t'a parlé de lui. Ah Oui, il est si. là! Oh, j'ai préféré te laisser dormir, t'étais si belle. Bon, j'ai essayé de pas te réveiller quand j'ai pris ma douche. J'ai envie d'explorer, je sens qu'il y a un truc. Service de chambre. Ah. Oh. Attends, attends, Il attends, m'a attends, pas il a donné du donné du fric? fric? Si, si. 20 dollars, j'ai remboursé ma chambre. Et bam! Voilà comment on dit que les gens. Pouah! Tellement stylé. Il est passé où mon portefeuille? J'ai pas mon portefeuille. Il a peut-être pris pour mettre dans la voiture. J'espère qu'il est dans la voiture. Merci à vous, hein, pour la nuit gratuite, salope. Alors j'espère qu'il a mon portefeuille là, attends. Oui, c'est bon, il est là. Et j'ai combien dedans? C'est pas un portefeuille, ça. Non. 100 balles. Et voilà. Allez!
Allez, en voiture, Simone. Ouais, sauf qu'il faut aller au garage Je en crois qu'on va fait. passer au garage. T'es encore passé par la fenêtre. Ouais, c'est pas très commun. À gauche le garage. J'espère qu'il y en a pour pas cher en réparation. Ça va, si ça coûte 20 balles, c'est comme si c'était gratos, c'est parfait. C'est ouvert à cette heure-là? Oh, tu t'es garé sur le truc des livraisons. Bah bravo le frein. Un vrai petit chef. Incroyable, hein, on dirait presque que c'est ma voiture. Alors, bonjour, j'aurais besoin d'une jauge à huile. Alors, catalogue. Oui. Oh, c'est tellement cher, Mec, putain. c'est trop cher. Non, on veut pas acheter, on veut Après, juste c'est des réparer. moteurs. On veut juste réparer, Ouais, bah ouais, putain. mais réparer, c'est pas des mécaniciens, hein. Je crois que tu rachètes, hein. Moteur. Non, mais on n'a pas l'argent là, Il y a ça des marche pas. moteurs de ouf. Oui, mais on n'a pas l'argent. Des On a que tubes. 100 dollars. Des tubes. Ah, peut-être que ce qu'on a à racheter, ça coûte pas cher. Porte-bagages. Nice. Pare-buffle. Un plus grand réservoir à huile, à eau. Putain, merde. Du coup, faut qu'on le répare, mais comment? Ah, on dirait que vous êtes assis, mais en fait, non. C'est un effet d'optique en fait, j'aime bien me mettre derrière le comptoir et faire croire que je suis assis. Ok, bon, bah, on va pas. Bon, on répare pas, hein. On répare pas. Au pire, t'as qu'à vendre ta rondelle. Je peux vendre ma rondelle à tout le monde. Attends, mais on a déjà fait 400 km? Elle était d'occasion, je crois. Non, elle a démarré à zéro. Alors, comment on va vers la frontière là? On va revenir sur l'avenue principale. On connaît la route, on n'a pas de GPS, il n'y avait pas Bah de ouais, TomTom à c'est l'époque. horrible qu'on ait pas de. Attends, il a dit qu'il y avait une carte. On prend quelle route? Ah, il pleut sur les trois. Putain, 420 km, ça fait mal, On hein. va prendre la plus petite, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est route Ouais. glissante, danger? Ouais, route glissante. Bah nique sa mère, on la prend, hein. On n'est pas des tocards, hein. Prends la route 3, c'est parti, hein. Par contre, j'espère qu'il va nous guider, ce connard. Faites demi-tour. Non, j'ai pas envie de faire demi-tour. Collection de timbres, hein. Putain, on se fait vraiment chier. Je fais tellement chier avec le mec que j'ai commencé une collection de timbres. On verra mieux en activant les essuie-glaces. C'est vrai. Tu me dis la route quand tu veux, mon gars. Mais c'est souvent t'as pas dit faites demi-tour pour le GPS là? Ah Je merde, sais la pas. RDA a fait fermer le quartier. Station essence pour réparer. Pour acheter un kit de réparation. D'accord, est-ce qu'il y a une station essence ici? On est dans un éco-quartier, il doit y en avoir une. Ah, j'ai fait un joli tour, j'ai l'impression. T'as zéro essence. Ah, j'avoue. On va passer la frontière. Ouais, mais la frontière sans essence. On va rester bloqué entre les deux barrières comme des connards. Bon, bah, j'ai plus de citoyenneté. Mais pas grave. Pas de bobine de fil, pas de cigarette, pas de saucisse. Pas de café, interdit au club et aux saucisses. Est-ce que vous avez des cafés ou des saucisses à bord? Alors quoi? Pourquoi vous m'avez fait freiner là? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je me déplace? Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment on... C'est par Ah, là. avance jusqu'au guichet, hein. Je sais pas, ça m'a arrêté automatiquement. Bon bah, il veut pas discuter, il veut pas discuter, hein.
Oh non. T'as plus d'essence. Ah bah c'est gênant hein. Monsieur. C'est... Oh non. Il te reste pas un peu d'essence dans le bidon, dans le coffre? Si 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 si. T'es sûr que t'as pas tout vidé? Non non non. Il a pris des notes? J'ai entendu un bruit de carnet, genre le mec il prend des notes. Je vois que c'est des connards. Déjà, pour commencer. Bah ouais, t'avais tout vidé. Oh, c'est tellement vide. Il y a que de l'eau et de l'huile. Gérard, ne panique surtout pas, je vais chercher un peu d'essence. A tout de suite. Prends ton portefeuille. Oh, Gérard, j'ai oublié mon portefeuille. Putain, sa mère. Mais comment on va faire? Ça se trouve, on avait juste plus d'huile. Non, il y avait vraiment pas de... Le jerrycan, ouais. On prend le bidon aussi. Ouais, t'aurais peut-être vendu directement. Bah ouais, je me suis dit qu'ils allaient vendre, mais on sait jamais. Mais imagine, je dois lâcher ce bidon. Bon, on verra. Ouais, t'as bien raison. Le connard en ville avec son bidon. Bah, c'est une situation un peu gênante, hein. Ouais, y'a forcément des trucs cachés par ici. Hein. Chez Bostel? Oh non, ils vendent que des saucisses. Et je pourrais jamais passer la frontière si j'en achète. Ils vont le savoir, c'est sûr. C'est une station essence, hein, regarde. Putain, ouais, elle était juste à côté du motel, fais chier! C'est combien? C'est 1$ le litre. Bon, c'est donné. On va faire un plein, puisqu'on a volé de l'argent à ce monsieur. T'achèteras un kit de réparation aussi pendant que tu y es. Ah oui. Mais le stockage. Oh putain, ça me fout le seum, elle est juste là. Allez, prends la bombe, c'est du super. Quelle poisse. Vas-y. Voilà, dans ma voiture imaginaire. Saut avec éponge. On aurait pu décrasser la voiture. Mais attends. Attends, je vais demander au... Hey, je vais demander au gars. Hein. Au pompiste. Monsieur le pompiste. Ah. D'accord. Ok, on voudrait remplir ce bidon. Du textile, du tabac, on va pouvoir s'allumer des clopes. Oh, ça, vaut des clopes ça vaut combien ça? On va prendre tout ça hein. Vous les faites à combien vos clopes là? Le mec il est venu pour l'essence, il achète des clopes. Quoi? Je vous ai donné de l'argent alors. T'as acheté des clopes là. Putain. Ah, une huile, de l'huile. Des saucisses. Viens, on prend des saucisses pour se les faire confisquer. Mais t'as fait des clopes, mais c'est interdit. Oh merde, on va devoir tout fumer avant la frontière. Qu'est-ce que... À se faire 40 clopes là. Oh shit. Jerrycan, kit de réparation. Ah, il nous faut ça. Mais putain, t'as pas de sac à dos. On a dans le cul, mec. Ah, comment je prends mes clopes. Jette ce bidon d'essence là. Allez, rachète un nouveau bidon d'essence si on l'a dans le cul. Alors, tu dois revenir en arrière pour chercher et faire le point sur tout ça. Et elles sont où mes clopes? Oh, elles doivent être quelque part. J'ai perdu mes clopes. Non, 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 l'essence. Quoi? Bah achète d'abord l'essence, connard. Bah oui, non, mais d'accord, mais bon. Non, ça tu peux pas, je crois. Fais une croix dessus. Je veux quand même essayer parce que le chat, il a... Putain, ça fonctionne. Ah, le chat. Oh là. Et part sans payer. Combien? C'est $1 le litre, c'est bon, t'inquiète, tu peux y aller. C'est une virgule qu'on voit là. C'est okay. $200. Rempli, il fait le plein. Voilà, et on repassera chercher... Bah, faire regarde par terre si t'as pas tes clopes. Bah, dommage pour les clopes, quoi. Parce que... Elles sont peut-être dans la voiture. Prends les clopes et barre-toi sans payer. Je vous prends un paquet. Mettez-le sur ma note. Tu me mets sur la loi, chef. Hein. Non, vas-y, prends les clopes, ne te conne pas. Prends les clopes dans le... Non, ça sent le jeu où je vais me faire enculer. Vas-y. Je devais être parti sans payer. Pourquoi la grille est fermée? Non, d'accord. Bon bah lâche les clopes. Monsieur, vous m'avez enfermé en fait. Attends, pourquoi il...
Va le payer, écoute. Peut-être que ça fait gling gling mais que ça va pas payer. Peut-être que c'est comme des vrais pompistes, il faut aller payer une fois que t'as. Ah ouais, c'est vrai. 9$. Tirer sur ce levier annule la transaction. On veut pas annuler? Quoi? J'ai tiré sur aucun levier. Quoi? Quoi? Mais redonner le bidon? Ouais, j'ai besoin de ce bidon! Salope! Maintenant, c'est une blague? Oh putain, mais mon bidon! Ah, tu peux peut-être le prendre là quand t'étais blessé, un peu. Non, je peux plus le prendre. Une petite touche, tant. En plus, mon porte-monnaie, je sais pas où il est. Bon. Mais tu vas te faire avoir, Bah, t'en j'espère payes que je l'ai vendu, quoi. Ouais, Parfait, bah. je crois que tu payes. Je crois que t'as pas payé. Là, t'as scanné, mais t'as pas payé. Bah, ce sera tout. Et ton portefeuille, il est où? Ouais, mais il est où mon portefeuille? Je sais pas où il est mon portefeuille, moi. Moi, je vais me laver. Mais attends, je sais pas moi. 100% il a respawn dans la boîte à gants. Mais je suis softlock. Putain! Faut que j'annule la transaction et je retourne à la voiture. C'est pas Il est possible. nul, hein. Il est plein de jerrycans là? Ah non, il est vide. Mais c'est loin la voiture. C'est loin la voiture. Je vais laisser le jerrycan ici. Pour qu'il despawn? Fais chier! En plus, t'as perdu tes clopes. Oh, j'ai tout perdu dans cette histoire. Non, bah a priori, j'ai rien payé. Bah si, j'ai payé les clopes à un moment. T'as payé les clopes. Ça se trouve, les clopes sont dans la bagnole. Je vais pouvoir m'en fumer une à la frontière. Ah, c'est la frontière entre l'Allemagne et la Russie, là. C'est chiant qu'on puisse pas garder les objets, je sais pas, dans les poches. Ouais, les clopes, ça rentre, sauf si c'est une cartouche. Ouais, Gérard, j'ai encore oublié mon porte-monnaie. T'aurais pas Regarde vu dans le des coffre s'il clopes? n'y a pas tes clopes. Parce qu'on sait jamais. Non. Oh merde, pas. T'es sûr, hein? Bon. À tout de suite. Mais tu vas devoir faire 50 allers-retours parce que tu vas devoir faire ça, remplir le jerrycan, payer, revenir pour mettre l'essence et repartir avec la voiture acheter le reste. C'est horrible. Putain, pourquoi on... Je suis sûr que le chat nous a dit en plus, vous n'avez pas d'essence. Oh, ça gronde. Oh, ça se couvre. Faudrait mieux se dépêcher. Ouais, c'est vrai que t'as toujours 100$, donc techniquement t'as pas payé les clopes. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est une bonne nouvelle. Bah, dis-toi qu'on a gagné 20 balles aussi dans l'histoire. Ouais. Pas une mauvaise journée. Pas mal. Sauf que là, j'ai très peur. Si je fais A, j'ai peur que ça dépose mon porte-monnaie. Tu vois, selon. Ça dépend. Là, je crois que c'est main droite qui drop. Il drop main droite. Bonne chance. C'est bon. Pour l'instant, tout va bien. Prends quand même des clopes. Après, quand on reviendra. Après tout, après, on garde le bidon d'essence dans la main et c'est tout. On prend, fera toutes les courses qu'il faut. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, je Voilà paye ça là. de l'argent. Voilà pour vous. Maintenant, vous me passez mon. T'as gagné 1$. Je sais pas comment c'est possible. Il y avait une promo peut-être. Paye, vas-y. Je renvoie. Tu l'as vendu. Qu'est-ce que t'as. T'as gagné 1$ dans l'histoire. Je Commence à me comprends pas. saouler. Ah, tu l'as. T'as vendu le jerrycan! Mais c'est pas possible, elle me dit. Oh, Genre, achète un jerrycan neuf, hein, je donc je crois. dois pas lui donner les articles, quoi. Mais rends-moi mon truc! Salope! Achète un neuf. Comment ça?
105 kits de réparation. 105 kits de réparation. Alors attends, je lui donne. T'as plus de porte-monnaie. Putain de. Putain de jeu de merde, mais c'est vraiment de la merde! Non, mais c'est affreusement de la merde! Tu fais un clic gauche et ta vie elle est finie! Rendez-moi mon article! Rendez-moi ça! Et après, vous vous étonnez qu'il y a des caisses automatiques, mais madame, regardez! Non, mais ça pue la merde! On nous reste 10 minutes de gameplay donc. Ah, ça fait un aller-retour, c'est cool. C'est vraiment mal fait. Non, c'est fait de manière intelligente. C'est comme dans la vraie vie, ton porte-monnaie se téléporte. Bah, si tu le fais tomber, il va dans ta voiture. Au moins, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse jamais perdre ton portefeuille. Hein. C'est. Tu peux pousser la voiture jusqu'à la pompe. Ouf. Ah, je sais que je dois donner les sous sans le jerrycan, mais. Je pensais qu'il fallait donner l'article, mais bon, non. Ta 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 ta. C'est une sacrée aventure. Plus je l'ai revendu pour 1$, je me suis fait baiser quoi. Non, je me suis pas fait baiser, c'est bon. Mais bah, attends, ça dépend. Ah non, ouais. Si Juste. Si un jerrycan neuf, ça coûte plus cher que faire le plein d'un jerrycan que t'avais déjà. Un jerrycan vide doit valoir 1$. Ça dépend. Ah, si tu payes plus de 10$ pour un jerrycan, c'est que tu t'es fait enfler. Hein. Ouais. Et à mon avis, tu t'es fait enfler. Je pense que je me suis enflé. Dans cette histoire. Enflé. Enflé. Tout, 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 tout. Parce que cette fois, ça ne peut pas mal se passer. C'est des vides, non? Ils sont vides là, j'ai l'impression. Je sais pas, achète-moi ça pour voir. Je vais aller le remplir, hein, il est vide. T'es sûr? Ouais. Attention, hein, main droite. Bon, on va dire qu'il est plein. Ou alors faut Ouais, d'abord faut que tu l'acheter, l'achètes. ensuite le remplir. L'achètes, vas-y. Ouais. Voilà. Bon, là, je l'ai main droite, le portefeuille. Je lui donne. Non, paye à la caisse, vas-y. Voir. Non, C'est-à-dire. attends, mais là, oui, si, ouais, oui, tu peux pas dropper. Là, je fais clic gauche, hein. Mais là, ça va lui vendre, non? Là, je vais Va, mets donner à droite, tu je vais peux donner de mettre à l'argent droite? là. Là, je vais donner de l'argent. Mais non, mais si je le drop, il revient là-bas. Non, à droite, dans la fenêtre. Vas-y, j'ai droppé le portefeuille, j'en ai marre. J'arrête. Ça suffit. On a tellement hésité que j'ai fait clic gauche, nique sa mère, c'est bon. Le chat m'a dit de dropper, j'ai fait n'importe quoi. Allez, ça suffit, j'en ai ras le cul. Je veux bien faire un arrière-tour, mais ça n'a plus de Il sens. reste 8 minutes. Non, ouais, ça n'a plus de sens, ça suffit. 8 minutes et Putain, ça me vénère. On aurait pu s'amuser, faire un road trip. Peut-être pour ça que les gens ont dit que j'étais chiant aussi. Bah, s'ils pouvaient juste éviter ce genre de système. Sais, parfois ça tient à rien. Hein. Tu passes vite de fun à horrible là, Je devais avec juste juste faire un clic gauche, mais système. je voyais le chat qui ne me sait pas même, mais drop! Alors j'ai droppé. J'ai droppé, j'ai pas réfléchi. Donc c'est de la faute du chat? Bah non, mais bon, je savais juste à faire clic gauche, je pense, hein. Il n'y avait Je pas. dis non, mais. Ouais, je dis mais, parce que quand même. Il va se Bon. demander ce que tu fous, Gérard, à faire 440 Bah, aller-retour. Gérard, il doit surtout se demander pourquoi il y a un portefeuille qui pop devant lui, en fait. Il doit, comme nous, se demander pourquoi ça peut arriver Là, dans un monde si le réaliste, soldat à quoi. la frontière il ouvre pas le feu sur Gérard parce qu'il trouve ça louche, t'auras de la chance. Hein. Les mecs font un vieux trafic à la frontière, là. Il doit se dire que t'es en train de bouffer full saucisse là avant de passer la frontière. On vit par main droite, on oublie. Déjà, ça commence mal. Tu arrives devant le comptoir, tu mets le bidon dans ta main droite, tu l'achètes. Ça va le vendre. Nickel. Super.
En vrai, là, je fais clic gauche, c'est tout, hein. Je fais clic gauche. J'ai le portefeuille dans la main droite, donc du coup, je vais utiliser mes billets. Ouais, tu l'as acheté? Je l'ai C'est acheté. bon? Même si... Mais ça t'a dit zéro sur la truc, c'est ça que je J'ai toujours trouvais bizarre. Ouais, 101, tu vois. j'ai toujours 101, donc je ne comprends pas. Donc vas-y, mets-le devant la caisse. Tu n'as pas le choix de toute façon. Faudrait le mettre là, logiquement, peut-être. Oui, là. Ou alors elle est censée te mettre là après. Mais j'ai pas de signe de main, donc. Attends, là tu peux rien faire avec ce bidon en fait. Main droite, je le vends là. Enfin, je lui donne Vas-y, donne-lui. le bidon. Oui. Là, voilà, paye maintenant. Ok, maintenant c'est bon. C'est juste que ça, c'est voilà mon comportement avec un que je possède, c'est normal. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Il est pas plein, mais du coup. Donc tu t'es bien fait enfler, hein, t'as payé 9$ le. Ouais. 10$ le bidon vide. Maintenant, je le remplis. Maintenant, je vais payer. Attention. Mais je vais le vendre là ou pas? Genre, je Non, là l'achète ou tu je. dois. Là, paye. Regarde, il y a marqué 9$. T'as juste à payer. Vas-y, paye. Ok. Voilà, je m'en vais, je Non, m'en non, c'est vais, bon, vas-y. je m'en vais. Au revoir, je m'en vais. Au revoir. C'est ouvert. Je vais à la voiture. Je ramène la voiture. J'achète un kit de réparation. Je répare la voiture. T'achètes des cigarettes, des saucisses et tu passes la frontière. Et je me fais arrêter pour les saucisses. Vous êtes à l'arrestation pour possession de saucisses de Francfort. C'est marqué là. Vas te retrouver sur des chaînes de télé, sur RMC Découverte où ils arrêtent des gens à la frontière. Cet individu avait 10 kilos de saucisses cachés dans ses chaussettes. Ah, il est malin, mais on l'a chopé. Heureusement. C'est le gras des saucisses qui coulait à travers ses chaussettes qui m'a mis la puce à l'oreille. Cette odeur caractéristique des saucisses ne m'était pas inconnue. Vas-y, hein, tu fais le plein. Ta gueule. C'est là qu'il faut mettre. Pose ton portefeuille, parce que peut-être que le jeu croit que tu veux payer. Maintiens. Tu penses vraiment que ça va influer? C'est pour la batterie. Ah. La voiture est éteinte. Elle n'est pas démarrée. Tac, tac, tac. Maintiens-le comme ça, mais comment comme ça? Tu crois que parce que c'est pété, je peux pas? Mais c'était connard, tu pourrais quand même remplir le réservoir. Bah ouais. Surtout que la voiture, elle marchait, elle avait juste plus d'essence. Un peu d'huile. T'as même pas le droit de mettre de ville. J'ai mis de l'huile. Bah dans ce cas-là, mets un peu d'essence. C'est Allez, bon. maintiens-le comme ça un peu. Ouais, maintiens-le comme ça. Comment? Comme ça. T'es un connard. Maintiens-le un peu d'eau dans la. Bah, soupape, ouais, vas-y. Dans la Hein. soupape. Voilà. Voilà, Y'a plus d'eau. comme ça c'est vide. Ah, et on est prêt à repartir.
Oh, Gérard, je reviens. Non mais, non, mec, je vais pas rester des heures sur cette merde de jeu. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est incroyable. Ça allait être bien, La ça. voiture, Ça allait être elle bien. marchait. On Elle allait. marchait, elle avait juste plus d'essence. On allait passer la frontière, se faire contrôler pour des saucisses, ça allait être très drôle. Tout allait être Voilà, bien. c'est juste ça que je voulais faire Et contrôler pour ça allait. possession de saucisses illégales. Après, on serait tombé en panne sur l'autoroute, ça aurait été une sacrée aventure. Ça aurait été super. Mais non! On a fait de l'autostop, mais alors. Rencontrer des Russes. On serait fait agresser par un groupe de grands criminels. Gérard nous l'aurait mis dans la rondelle parce qu'il serait énervé. Qu'est-ce que ça aurait été bien, putain. Qu'est-ce que ça aurait été bien. C'est pas compliqué, maintiens-le comme ça. Non mais ben c'est comme ça. 15 balles, et bah allez-y, bah je volontiers. Eh ben allez messieurs. Y a pas de problème. Connasse. Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis quelqu'un de poli. Hop, téléporte-toi là-bas. Tu prends des risques. Ah, pas mal, hein. Maintenant, je connais le jeu comme ma poche. J'aurais dû prendre les saucisses en même temps. Ah d'accord, c'est parce que le jeu il a fait partie de la diode. C'est pour ça qu'il est éclaté. La diode. Ouais, c'est les concours de Development in One Day. C'est quand tout le monde Ah. fait un jeu en un jour. Ouais, je pense que la base c'était ça, mais après ils ont dû. Je sais qu'il y a des mises à Non, jour mec, fréquentes. je viens d'inventer tout ce que je viens de te dire. Ok, c'est top alors. Merci. Ah, ok. C'est top. Bon. Alors j'ai un kit. Ah bah voilà. Il n'y a plus qu'à mettre de l'essence maintenant. Pourquoi tu fumes? Parce que ça manque de d'eau dans la soupape de pression. Bon, là je vais m'énerver. Ouais, je vais m'énerver. Le comme ça du con. Tu peux pas maintenir appuyé quand tu te tiens vers l'avant là comme ça? J'essaie de faire ça, mais. Gérard, n'essaye pas d'aider, hein. C'est Vrai déjà que depuis plein. tout à l'heure. Comment ça, Quoi c'est plein? ça peut Mais pas t'as être pas mis plein, d'essence. puisque le bidon est plein. L'essence elle a pas popé de manière magique dedans. Bah non, l'essence elle est vide. Quoi? Mais mec, c'est pas possible, elle vient d'où l'essence? Mais c'est Gérard qui a siphonné un autre réservoir avec sa bouche ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, faut retourner en arrière, hein, au bureau de tabac. C'est pas possible! Je sais que c'est pas possible. C'est Attends, juste que le ça jeu veut dire il que est bloqué. depuis le début, tu crois que depuis le début, on avait de l'essence? Depuis qu'il fait. Oui, parce qu'on n'a pas essayé de démarrer la voiture. Je vais rien On est dire. d'accord que le jerrycan est plein et que ça n'a pas versé une seule seconde. Non, mais imagine le jerrycan d'avant. Il était. On en a versé. Non. Le jerrycan d'avant il était vide. Le mec il préfère même pas Non mais non penser mais. à cette éventualité. Non, Info non, sûre, non, le non, jerrycan non. était vide. Non mais on s'en fout que le niveau d'essence se mette à jour avec le compteur. Il était pas censé y avoir de l'essence. On a essayé de verser un jerrycan vide, donc il n'avait pas sorti d'essence. On a versé un jerrycan plein et ça n'a pas bougé. Donc dans tous les cas, il n'est pas censé Attends, avoir de l'essence. attends. On n'a jamais été en panne d'essence en fait. On était juste en panne. Mais alors pourquoi on nous a dit qu'on était en panne d'essence? Je sais pas, Damien. Et pourquoi depuis tout à l'heure on fait tout ça?
pour rien, Damien. Mais maintenant, on a de l'essence en réserve. Non. Mais tu vas arrêter de m'essuyer des glaces alors qu'il pleut? On va perdre notre stock d'eau. Bon, Gérard, j'y reviens, je vais prendre des saucisses et des clopes. Ton portefeuille. Ah, c'est j'ai... Ah tiens. Oh, tu peux voler le... ce que tu mets dans ton coffre. Hop, je nettoie. Oh merde, je pense que ce serait illégal. Portefeuille. Portefeuille. 67. Alors, tu me prends des saucisses, des clopes. Ah tiens, je vais vous prendre des saucisses aussi. Truc, tu sais, qu'ils mettent à côté de la caisse pour attirer. Oh, je me fais avoir à chaque fois. Ah, voilà. Merci bien. Attends, y'a quoi d'autre? Y'a pas des sandwichs triangles, des trucs comme ça? C'est quoi ça? Des textiles, des grains de café. Ouais, bof. Des médicaments. Oh. Une bouteille d'eau. De l'huile. On a plus d'eau, mais bon. Un cric, un pied de biche. Non. Des écoute, pneus, ouais. Des clopes et des saucisses. Ouais, ça là, suffira, là. Bonne journée. On a plus que 58 sous en poste, ok. Mais du coup, quand est-ce qu'on fume nos clopes? Tu peux pas les mettre à l'avant, les clopes, là? Alors, attends, parce que là, je comprends rien. Ah hey, non, elles sont par terre. Tu peux pas me les foutre dans la bagnole, là, les clopes, là? Ouais, où est-ce que ça se pose, des saucisses? Attends, j'y comprends plus rien, là. Pas qu'il y a plus assez de place dans la bagnole. Si je retire. Oh, s'il faut faire l'impasse sur l'essence, moi je fais l'impasse sur l'essence. Eh, on part pas sans saucisse, hein. Oh. Attends, sans ranger. Oh. Ben voilà. Ouais, mais quand est-ce qu'on les consomme? Ouais, moi je voudrais bien, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être des saucisses de contrebande. Bon, bah. C'est juste pour faire de l'achat-revente entre les pays-villes. Ah, donc maintenant le tout c'est d'essayer de passer la frontière sans se faire avoir. Tu seras bien content d'avoir des saucisses et des clopes quand on va tomber en panne sur l'autoroute. Des saucisses et des clopes. Oui, bah ferme ta gueule toi, t'as rien foutu depuis le début. Oui. Qu'est-ce oui, qu'il est voilà, il est chiant hein. Les mecs qui foutent rien, les mecs qui se plaignent. Mais au moins, c'est quoi, il a pas gueulé. On, à chaque fois, on s'engueule en voiture. Ouais, là, il peut pas gueuler, il fait. On va pouvoir passer la frontière, putain de frontière. Avec les saucisses de Francfort et les clopes là. Et bah, on va croiser les droits. Et surtout, essaye de rester naturel. Ouais, pas de problème. À droite. Oh, c'est petit. Fais pas gaffe au panneau d'interdiction là. Vas-y, baisse ta fenêtre. Bonjour monsieur. Les papiers. Voilà pour vous. Oh non. Non, oh c'est... c'est pas ce que vous croyez. Oh non. Il va mettre la main sur les saucisses. Tout semble en ordre. Il a rien pris. Ou alors il se les a gardés pour lui. Vite, on s'en fout. Avance un peu. On démarre, on verra plus tard. Au revoir. Eh, il y avait clairement marqué pas de saucisses hein. C'est interdit à la saucisse et à la cigarette. Oh les cons. Après le tunnel, on va vérifier. Ouais, parce que là, ils peuvent encore nous tirer dessus avec un sniper. Non, j'ai repris le passeport, c'est bon. Arrêtez-les, ils ont des saucisses à bord. Il y a des tirs de calache et tout. Cette porte m'intrigue.
Non, c'est des évacuations de secours dans n'importe quel tunnel, Thomas. Ça, c'est. Ben, c'est partout, ça. Il n'y a pas de coffre secret. C'est que la voiture fume encore, hein. Arrête-toi, va vérifier qu'il y a les saucisses. Je m'arrête sur le bas-côté. Pour qu'on puisse partir du jeu à l'esprit tranquille. Je m'arrête sur le bas-côté. Eh hey, oh, bingo putain. Les saucisses Dieu et les clubs. Louis Gérard. On a encore les saucisses. Les saucisses et les clubs, Gérard. Ah, qui sont cons, ces Russes. Ah, ouais. Ça c'est bien, ça fait voilà, du bien, mais... moi je vous le dis. Bah, vu qu'on va rouler le trip du trajet précédent, bah, je vais y aller, moi. Bah ouais, je crois qu'on va arrêter, hein, sinon voilà. Ça va être long. Bon, hein. C'était un bon jeu, hein. Et moi j'aime bien, sans cette interruption, je suis sûr que c'est sympa. Ouais, ça se trouve, ça aurait été sympa. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, tu vois. Ah, ouais, c'est intéressant tout ça, tu vois, même l'oncle Lufty il le dit. Ah, bah super. Oui, bah j'ai bien compris. Il y a des saucisses. Oui, ça, bah t'inquiète pas, on a réussi à faire passer les saucisses. 210 et les Eh bah, c'est très bien, on arrête là. Ah, bah on peut sauvegarder, bah c'est parfait. Bah, tu non, pas les saucisses c'était pas autorisé. Pardon. C'était interdit à saucisses, ou alors c'était que ce qui était barré qui était oh, interdit. Merde. C'était autorisé, mais nique sa mère, tant pis. Moi, je veux trop le mec qui transpire au volant quand il est contre contrôle. Parce qu'il a pas compris que c'était autorisé. Il n'ose pas dire qu'il a des saucisses en bas. Voilà. Voilà. Bien. Quelle aventure. Quelle aventure, mesdames, messieurs. Ouais, c'est pas un regret. Vous avez dit non, ce jeu va être. Comme quoi, hein, vous aviez raison. Moi je n'abandonne pas. Mais oui, mais on va dire je vous mercredi prochain, Thomas. S'il te plaît, je veux aller à Svatiska. Svatislavla. Et oui. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Et à dimanche. Et joyeuses saucisses. Et à demain pour une performance. À demain, oui. Incroyable sur Magic. Salut. Au revoir.